Vous êtes 18 organes de presse. Je voudrais vraiment vous saluer pour la mobilisation. Juste un petit temps pour vous appeler tous les jours. En fonction des événements, on comprend bien cette mobilisation. Merci encore. Tout à l'heure, Madame Gabo, au nom des partis politiques et des organisations de la société civile, va prendre la parole. Donc c'est l'enjeu. Il s'agit de la convocation dès demain du dialogue politique et sur cette question-là, les personnes qui sont ici vont se prononcer tout à l'heure. C'est un point de presse. Donc, juste après la déclaration, on n'aura pas droit à des questions. Donc, soyez assez attentifs pour comprendre ce qui va se passer. Je ne vais pas dire plus. Madame, je vous donne la parole. Je voudrais vous dire bonjour à tous et vous remercier. Ça va, vous? Voyons. Voyons, donne-nous son micro. Alors, vous voulez que je prenne le micro ou bien ça va? Oui, vous allez prendre le micro. Le micro, on va prendre. Donc, je recommence. Donne-nous son micro. Voyons, donne-nous. On n'a pas le son. Donne-nous son micro. Bon, on s'entend, qu'est-ce que vous voulez? Qu'elle prenne son micro parce que le son ne rentre pas bien à cause des bras. Si on dépose le micro ici, ça peut aller. Parce que les autres disent qu'on met le micro là. Voilà, si on dépose, ça peut aller. Allô, allô, vous entendez? Oui. Ok. Allons-y. Cette rencontre est due à la reprise du dialogue politique qui a été convoqué par le gouvernement pour jeudi. Je crois que tout le monde est au courant de cela. À l'initiative du MGC et à mon initiative, les organisations politiques et des organisations de la société civile ont tenu une réunion le mardi 18 janvier à notre résidence ici. Ce sont des mouvements des générations capables, le Parti ivoirien des travailleurs, PIT, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, AIRD, l'Union des sociaux-démocrates, USD, le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, PCFCI, le Parti ivoirien du peuple, PIP et Alternative citoyenne ivoirienne, la CENI. Cette rencontre importante a porté sur le dialogue politique qui est engagé par le gouvernement depuis le mois de décembre 2021. Cette rencontre importante d'hier a porté sur le dialogue politique. Elle a compté un grand nombre d'organisations non encore conviées à cette rencontre-là. À l'issue des échanges, les organisations ci-dessus ont retenu une série de propositions qui sont structurées comme suit. Des propositions relatives à la participation et à l'organisation du dialogue. Des propositions relatives au sujet à débattre. Des propositions
relative à la formalisation du cadre d'échange. Sur la participation au dialogue politique et sur son organisation, les groupements politiques et les groupements de la société civile réunis s'accordent sur le point suivant. Premier point, la nécessité de participer au dialogue politique actuel. Il s'agit pour ces organisations d'insister pour obtenir leur participation à ces rencontres. Deuxième point, la nécessité de donner au dialogue politique son caractère inclusif en associant aux négociations toutes les forces vives de la nation, les mouvements et partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations des droits de l'homme et des peuples, les organisations religieuses et professionnelles, les autorités coutumières, les syndicats et organisations professionnelles, les leaders d'opinion, etc. Troisièmement, la nécessité de créer dès l'entame des négociations un comité d'organisation de ces rencontres, de même qu'un comité suivi évaluation qui soit tous les deux des comités consensuels. Le comité d'organisation se chargera de faire la synthèse des TDR proposés par chaque participant en vue d'adopter des TDR consensuels. Ce comité garantira de la sorte la transparence du dialogue. Quant à la commission suivi évaluation, elle se chargera de lister les points d'accord, d'analyser leurs conditions et processus de mise en œuvre et d'évaluer la réalisation de ces points d'accord. Cette commission pourra faire un rapport détaillé sur la réalisation totale ou partielle de chaque point d'accord. Elle listera aussi ceux qui n'ont pas fait l'objet d'accord ou qui n'ont pas pu être discutés. Elle en donnera les raisons et procurera des informations sur le niveau d'implication et de responsabilité de chaque partie au dialogue. Son rapport fournira des éléments suffisants pour entreprendre les bons offices relatifs à la poursuite des négociations devant porter sur les problèmes non encore résolus. Quatrième point, la nécessité de faire, dès l'ouverture des assises, le bilan des dialogues précédents. Cela en vue de consolider les acquis s'il en existe et d'éviter les éventuels échecs à venir. Cinquième point, la nécessité de ne pas organiser des rencontres séparées des divers groupes intervenants dans les débats, comme c'est le cas hier projeté récemment. Il faudrait que tous les participants discutent ensemble, car les sujets qui sont abordés concernent tout le monde, aussi bien les partis politiques, les mouvements politiques, que les associations de la société civile, les organisations des droits de l'homme. Ce sont les mêmes sujets. Il est donc plus bénéfique que les rencontres se tiennent ensemble et que les débats se mènent ensemble. Concernant les sujets à débattre, les organisations réunies ont proposé 4 points essentiels qui devront faire l'objet d'une discussion et d'accord
avec le gouvernement. Ce sont, premièrement, l'environnement sécuritaire. Deuxièmement, la rédaction et l'adoption d'une nouvelle constitution. Troisièmement, le système électoral et le jeu démocratique. Et quatrièmement, le défi de la réconciliation nationale. Donc, premier point, l'environnement sécuritaire. La trop grande insécurité qui prévaut à l'intérieur et aux frontières de notre pays est à tout point de vue incompatible avec une vie nationale paisible. Les conflits fonciers sont nombreux et récurrents dans notre pays. Les déguerpissements des populations, dont certaines ont des titres de propriété, impliquent parfois l'État lui-même. Le cas le plus récent de Koumassi est emblématique. Des conséquences néfastes de ces conflits, troubles sociaux, précarité des populations déguerpies et ou dépossédées de leurs biens, violences, menaces de mort, etc., montrent bien que la question foncière est dans notre pays une bombe à retardement. Il s'agit d'un problème crucial d'intérêt national. Par ailleurs, le phénomène des enfants dits en conflit avec la loi, communément appelé microbe, est un fléau social qui ne se limite plus à Abidjan. Il s'est étendu à la plupart des villes de la Côte d'Ivoire. Ce fléau qui est une conséquence directe de la rébellion de 2002 est devenu une arme politique redoutable. L'on a vu ces microbes agir comme une milice supplétive des forces régaliennes durant la crise du troisième mandat de M. Alassane Ouattara. L'on voit actuellement comment cet esprit de microbe gangrène l'école ivoirienne. En outre, les dozos qui forment une caste de chasseurs traditionnels dont l'aire culturelle d'activité était bien circonscrite dans le nord se font toujours voir dans les centres urbains et ruraux de toutes les régions du pays. L'orpaillage clandestin. Le terrorisme constitue également des fléaux à caractère sous-régional, voire international, qui menacent la vie de notre nation. Tous ces problèmes, aussi graves que complexes, font de la sécurité nationale une préoccupation majeure. Elle requiert pour être solutionnée la contribution de toutes les forces vives de la nation. Deuxième point, la rédaction et l'adoption d'une nouvelle constitution. La constitution de 2016 est la source de la crise du troisième mandat de M. Alassane Ouattara, consécutive à l'élection présidentielle de 2020. En la matière, son interprétation a créé de graves controverses au sein de la communauté des juristes et dans la société ivoirienne. Cette constitution n'est pas consensuelle, puisqu'elle a exacerbé les tensions et divise davantage les populations. Comment une loi fondamentale aussi conflictuelle peut-elle garantir la paix sociale que tous recherchent? Il est impérieux de se doter d'une autre constitution dont la rédaction bénéficierait de l'expertise et de la sagesse d'une bonne équipe de juristes, de politiques,
de religieux, d'intellectuels, d'hommes d'affaires, de chefs coutumiers, représentant les quatre grands groupes ethno-linguistiques du pays, c'est-à-dire les Akans, les Gourous, les Mandés et les Koukous. Le gouvernement prendra des dispositions idoines afin que la nouvelle loi fondamentale soit votée par voie référendaire. Ainsi, cette constitution consensuelle rassemblera les peuples de la Côte d'Ivoire et sera un gage d'un nouveau contrat social. Troisième point, l'élaboration d'un système électoral consensuel. Le système électoral actuel ne peut pas garantir la paix sociale. Il est une source majeure des conflits électoraux qui occasionnent des crises graves de l'économie. Il faut donc une réforme profonde de ce système, fondée sur la rédaction d'une nouvelle loi sur la commission électorale indépendante. Cette réforme débouchera sur un nouveau consensus électoral. Elle consistera à l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI. Et la mise en place d'une nouvelle CEI véritablement indépendante. Cette CEI ne contiendra aucun représentant des partis politiques, ni des institutions de l'État. Les acteurs de cette CEI auront un statut particulier avec des salaires et des moyens conséquents, toutes choses qui garantissent leur indépendance vis-à-vis des partis et des autorités politiques et administratives. Ces acteurs de la CEI seront recrutés par appel d'offres et en dehors des partis et mouvements politiques. Ils ne seront pas des représentants ni du pouvoir, ni de l'opposition. Les représentants des partis et des mouvements politiques et des organisations de la société civile se constitueront en structure d'observation de toutes les étapes du processus électoral. Et puis, bien sûr, on parle également de la révision du code électoral, de la révision après un audit de la liste électorale, de l'adoption d'un nouveau découpage électoral juste et équitable, c'est-à-dire à partir de critères internationaux, notamment celui du nombre d'habitants par circonscription. Les élus étant les représentants des populations. Et puis, la sécurisation des candidats, de leurs représentants et des opérations électorales. Quatrième point, le défi de la réconciliation nationale. La réconciliation nationale est une exigence pour le pays. Pour que le pays retrouve sa quiétude d'antan. S'il est vrai qu'elle est un processus de longue haleine, elle implique des défis urgents à relever pour sa mise en œuvre. Ces défis concernent les mesures courageuses à prendre pour favoriser l'émergence d'un environnement propice au pardon et au revivre ensemble. Ce sont notamment l'adoption d'une loi d'amnistie générale qui permettrait de libérer tous les détenus politiques, civils et militaires, de même que ceux qui sont en liberté conditionnelle. L'institution d'un observatoire consensuel de la démocratie et de la paix. L'adoption d'une loi qui garantissent l'accès des partis et des mouvements politiques de l'opposition aux médias d'État. La création d'une commission nationale consensuelle
dont les missions seront d'œuvrer au retour sécurisé et à l'insertion sociale de tous les exilés et des déplacés. Il faudrait pour cela revoir conséquemment leur accompagnement financier après en avoir discuté et trouvé d'accord avec eux. De réparer les torts causés, rétrocession des biens, plantations, maisons, terrains, etc. De dommagement, rétablissement des emplois, des salaires, des indemnités, remise en état des biens endommagés ou détruits, et puis de veiller à l'exercice démocratique des libertés publiques. Concernant la formalisation du cadre des échanges, les organisations ci-dessus désignées ont décidé ce qui suit. Premièrement, formaliser ce cadre d'échange sur le dialogue politique pour en faire une plateforme permanente de discussion. Deuxièmement, suivre attentivement le dialogue politique en cours, analyser chaque étape de ce dialogue et en tirer des conséquences politiques. Troisièmement, communiquer régulièrement sur les résultats des réflexions et actions menées dans le cadre de la plateforme. Quatrièmement, inviter toutes les organisations politiques et ou de la société civile qui le désirent à rejoindre la plateforme. En conclusion, les organisations qui étaient réunies autour de moi pensent que le dialogue politique qu'entreprend le gouvernement est salutaire pour tous. Il peut, s'il est fin et bien mené, être une voie royale à la réconciliation nationale. À ce niveau, si la responsabilité de chaque acteur est grande, la responsabilité du régime au pouvoir l'est encore davantage. Il faut espérer que les différents points de discussion soient abordés sans faux fuyant et sans calcul politique. Dans la transparence, les forces vives de la nation se doivent de trouver des solutions durables aux problèmes fondamentaux qui engendrent de multiples crises, des crises multiformes également, que vit la Côte d'Ivoire depuis des décennies. Pour atteindre cet objectif et la finalité qui en découle, à savoir l'unité, la cohésion sociale et la paix, ce cinquième dialogue politique doit être véritablement inclusif, c'est-à-dire le plus ouvert possible aux groupements politiques, aux sociétés civiles, religieuses, traditionnelles, aux syndicats, aux leaders d'opinion, etc. Voilà un bref résumé de ce que nous avions besoin de vous transmettre. En vous remerciant encore d'avoir accepté de venir et de nous écouter. Pour terminer, je voudrais, au nom de toutes les organisations qui sont là, vous souhaiter une très bonne année 2022. Encore merci.